Voilà, je reviens sur le rucher de Crone, 5 minutes. Je suis censé installer des bouteilles comme celle-là sur toutes les tentes. Je dois le faire, mais avant j'ai une mission spéciale. Je dois aller chez Pierre, qui est envahi de frelons, et je vais lui installer une bouteille de ce type-là. Alors, les bouteilles sont là, c'est pour ça que je suis passé ici. Il me faut deux bouteilles Moroku. Ah, j'ai des grandes bouteilles, c'est pas mal là. C'est pas mal du tout. Je vais prendre une. Ah, j'ai envie d'essayer. Ah. Je vais. Ah, j'hésite. J'ai pas envie d'expérimenter chez lui. Donc je vais prendre une Moroku et une grande bouteille. Et ici, je mettrai des grandes bouteilles. Ça a l'air génial là. Ces bouteilles, je savais pas que je les avais. C'est des quoi? C'est quoi comme marque? Montcalm. C'est bien, c'est plus grand là. Ah, ah, ah! Ah, cette bouteille a l'air super. Hein. Ça a l'air d'être la bonne taille. Hein. Génial. Génial. Bon, ce qui est important pour moi, c'est bien d'améliorer les bouteilles, mais il ne faut pas perdre de vue que le but, c'est que les ruchers soient protégés. Et donc, il faut regarder en bas des ruches et il ne faut pas qu'il y ait de frelons qui chassent. Donc là, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'on voit même des abeilles qui sortent là sur la deuxième ruche. Vu la pression qu'il y a, c'est incroyable d'avoir des abeilles qui sortent encore. Donc, conclusion, je vais mettre. Je pense que ça ira demain. Mon objectif demain, c'est d'avoir des bouteilles sur toutes les tentes et d'avoir zéro pression en bas. T'as vu la bouteille avec les frelons là? T'as vu? Non, non, juste comme ça. Tu vois tous les frelons capturés dans la bouteille? Pas mal, hein? Ça marche, hein? Ouais, les tentes, c'est pour attirer les frelons en haut. Et voilà ce qu'on en fait, on les capture dans les bouteilles, comme ça on protège les abeilles. Ouais, j'étais mon oncle, j'étais apiculteur. Ah ouais. C'était sympa à l'époque. Les gamins pouvaient s'approcher des ruches sans Ouais, problème. bah là aussi, hein. Là, les ruches, c'est proche des jeux d'enfants, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais après, quand on y allait et tout, alors non, j'y allais plus, c'est plus la peine, elles deviennent, même lui, il était obligé de s'habiller. Ah ouais, elle devenait plus agressive? Ah ouais. Ça arrive parfois. Ça dure pas forcément longtemps, hein. Des Ouais, fois. mais bon, après, avec l'âge. Ouais, faut faire attention, c'est sûr. Donc on avait du bon miel. Ah ouais. Et le miel que vous récoltez, vous. On le donne aux enfants de l'école quand ils viennent faire des visites. Ah ouais? Non mais ici aussi j'en donne. Le problème c'est qu'il faut que j'en ai dans mon sac et j'oublie toujours. Donc la prochaine fois que vous venez, vous demandez-moi, il faut vraiment que j'ai un stock. J'arrive, j'ai du mal à gérer ça. Oui, c'est des frelons asiatiques, ceux-là. Et là, mon voisin me dit, on en a plein. Alors, je dis, nous, c'est sur le raisin. Ouais, c'est sur le raisin. Ouais. Mais je dis, là, on n'en voit que deux ou trois. Et je dis, nous, il y en a tellement qu'il doit y avoir un nid quelque part. Ou alors, il y a beaucoup de raisins. Non, on a mangé le raisin. On allait la nuit cueillir le raisin pour pas se faire piquer. Ah ouais? Non, mais j'attaque pas. Hein. Non, mais quand vous cherchez pour couper la grappe. Ah, faut pas mettre les doigts dessus. Eh bah, ben oui. Et C'est comme sûr. moi, quand j'y vais, bah, je picore en général. Et donc, une fois, on a suivi mon oncle qui allait ramasser un nid, dans un arbre. Ah ouais? Un nid de frelons, un nid Non, d'abeilles? non, non, d'abeilles. Et donc, on y est allé. Bon, il avait mis juste son chapeau avec une voilette, mais les mains nues et tout. Et bon, les gamins étaient autour, ils disaient non, à l'époque, elles agressaient pas, même si on était à Ouais, côté. d'accord. Mais comme ça, les enfants ont vu. J'avais même pris des photos d'ailleurs. C'est les simples. Une fois qu'on capture la reine, toutes les autres, elles suivent. C'est rigolo. On disait, oh, mais comment elles font pour la reconnaître? Parce qu'elle est un peu plus grosse que les autres. Mais c'est délirant quand même. Hein. Le piège, comment il est fait, c'est deux bouteilles, t'as vu? Ouais. Et après, c'est très génial dans une bouteille. Ouais. Et là, c'est pour ça chez les voisins. Ouais, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Et eux, ils ont peur que. Ouais. Si, bon, quand on les agresse pas, ils agressent pas, mais.
Moi, je me suis bien fait piquer par une guêpe dans la nuit. Ah ouais? Ça a fait mal, hein. Et puis, je l'entendais, j'ai dit, faut que je la tue parce que je vais pas pouvoir dormir en lit, en pleine nuit. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est vrai que c'est bien, moi, j'adore les abeilles. Nous, on met plein de fleurs pour qu'elles viennent. Mais on a beaucoup de petites abeilles sauvages. Ah, c'est bien ça. Bon, on a un jardin un peu anarchique. À force de ramasser des graines, on vient dans le jardin et ça vient ou ça vient pas. Ouais, c'est bien, bah, c'est ça. Bah, c'est une bonne technique. Bon allez, moi j'y vais, je vais chez un ami apiculteur qui est pas loin, je vais lui installer des bouteilles comme ça parce qu'il est attaqué lui aussi. Allez, je fais une pause sur ma vidéo, même j'arrête.